Madame Marie-Hélène Gautreau, députée sortante pour le Bloc. Madame Gautreau, quelles sont vos priorités, vos dossiers prioritaires pour la suite si vous êtes élue? Il y a une chose qui est claire, c'est que la pandémie a augmenté, en fait, plusieurs difficultés des gens, que ce soit l'accessibilité au logement. Il y a de besoin, en fait, de nouvelles prestations pour aider nos aînés qui ont été les plus impactés. C'est sûr que la santé, on le voit, ce n'est pas que la pandémie, mais il est grand temps que les transferts sonnants en argent, hein, on parle de 35 % de transferts en santé et d'une augmentation de 6 % bien ça, c'est unanime. Il faut agir maintenant. Le variant est présent, donc on doit s'ajuster à vivre avec notre nouvelle réalité. C'est ça, Laurentine de la Belle, quand vous parlez de transferts en santé, où sont les besoins les plus criants? Bien, d'abord et avant tout, les transferts en santé, c'est oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre pour le système de la santé, mais on a abandonné, vous le savez, depuis les années 60, le transfert de l'argent du fédéral était de 50 %. Aujourd'hui, en 2021, on est à 22 %. Donc, le 35 % qu'on réclame, et ça, c'est unanime, hein, ce n'est pas juste à l'Assemblée nationale du Québec, c'est partout des provinces canadiennes et territoires qui nous disent bien, ça nous prend le levier financier pour aussi s'assurer d'avoir les conditions qu'on a besoin. Parce qu'avec le délestage, moi, j'en ai eu dans ma famille et c'est inacceptable. On doit vivre avec le nouveau virus et les variants, mais en même temps, on doit recevoir notre juste part qui se trouve à Ottawa. Donc, pour ici, à Sainte-Adèle et dans la merveilleuse MRC des pays d'en haut, bien, l'enjeu de santé est extrêmement important et aussi l'enjeu de l'espace locatif qui, vraiment partout à travers le Québec, là, on le voit depuis 1994-1995, les gouvernements précédents, que ce soit conservateurs ou libéraux, ont décidé d'arrêter, en fait, toutes les possibilités de rénovation, de nouvelles constructions. Donc, vous parlez de la crise du logement, finalement, l'espace. On l'avait déjà, la crise du logement, mais là, on la perçoit. Quand des gens nous appellent pour nous dire que dans 3 mois, je suis à la rue et que maintenant, on constate qu'il y a des gens qui demeurent, qui retournent chez leurs parents, qui doivent faire des requêtes et demander aux enchères pour avoir accès soit à une première maison. Donc, les logements abordables et les logements sociaux, ben, on a vraiment des décennies à reprendre. Et nous, on demande 1 % du budget fédéral qui va faire accélérer, en fait, le manque à gagner parce qu'ici, dans les pays d'en haut, c'est un enjeu très, très important.